c'est notre frange bien sympathique. Moi, je l'aime beaucoup. C'est notre frange curl. Curl pour boucle. Alors, vous voyez, elle est quand même assez importante. Et on dit frange, mais moi, je dirais que c'est vraiment un bon morceau quand même. Parce qu'elle complète, elle va bien se mélanger à votre chevelure. Parce qu'elle n'est pas petite, petite. Vous voyez, je la tourne. Vous voyez, ça fait vraiment un belle frange, on va dire. On continue à l'appeler frange. Donc même si vous faites un chignon, tirez les cheveux, elle va venir créer un joli mouvement sur le côté, un beau volume. Voilà. Donc elle est en fibre synthétique, résistant à la chaleur. Si vous la mettez souvent et que à force de la mettre, de la laver, de la brosser, les boucles se détendent un petit peu, vous pouvez tout à fait les reboucler. Voilà, jusqu'à 160 degrés sur cette fibre, pas de souci. Voilà, jolie boucle. Donc vous pouvez tout à fait aussi les brosser si vous voulez faire des boucles un petit peu plus vaporeuses, ou au contraire, les resserrer. Voilà, on va remettre de côté. Voilà notre jolie frange curl. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait brosser les curls. Vous voyez, ça va les rendre plus vaporeuses. Bien évidemment, vous pouvez utiliser du conditionneur sans rinçage pour les garder douces plus longtemps. Et aussi pour refaire un petit peu les boucles sans avoir besoin de la laver. Voilà, vous vaporisez un petit peu. Vous passez vos doigts dedans. Ça va resserrer les boucles. Automatique, vous voyez. Voilà. Et si vous voulez lisser, évidemment, on va vous curler un petit peu plus, jusqu'à 160 degrés. Alors l'intérieur, donc il y a deux clips, et nous vous en fournissons un troisième, mais franchement ça m'étonnerait que vous en ayez besoin, on le fait quand même parce qu'on ne sait jamais selon comment vous allez le mettre, mais n'oubliez pas que cette frange se porte sur le côté, d'accord, donc comme ça. Donc les clips, les deux clips que vous voyez vont aller comme ça, sur le côté. Vous voyez, ça peut aller des deux côtés. Vous portiez l'arrêt gauche ou droite. Voilà. Bon, je sais pas du tout à quoi je réponds, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà. Donc, et ça se clip très bien pour incorporer cette frange. Donc je vous ai montré à peu près ce que ça donne. Gauche, droite, des deux côtés, vous pouvez la mettre. Vous vous faites une raie. Si vous aimez avoir votre raie là, vous la faites un tout petit peu avant. Hein, pareil de l'autre côté. Vous clipez au niveau de la raie. Et ensuite, vous prenez, vous faites une autre raie qui est exactement là où vous aimeriez l'avoir, votre raie, donc un petit peu plus basse, et vous rabattez par-dessus. Donc il ne faut pas rabattre plein de cheveux. Hein, vous rabattez vraiment, je sais pas, genre 1 cm de cheveux, comme ça. Et ça va tout bien se fondre sur votre sur cette grande frange de côté, cette curly frange, et ça va vraiment être super. Voilà, j'espère que notre frange curl aura de nombreux adeptes, qu'elle vous plaira, et puis moi je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Au revoir.